Salut tout le monde, c'est Setox, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 1, Battlefield 1 sur PC. Et oui, c'est la première fois. Je suis un joueur de console à la base sur les FPS. Et finalement, quand j'ai vu le graphisme sur le PC et j'ai vu des petits trucs, des différents de graphisme extraordinaires et la jouabilité. Bon, finalement en fait, je dis rien quand je disais que la manette c'était mieux, hein. Bon, je parle même de Battlefield, on va pas comparer à Call of Duty, mais c'est pour dire que voilà quoi, ça n'a totalement rien à voir. Donc on se retrouve pour une espèce de vidéo découverte du jeu plutôt, donc on va faire une conquête en ligne, faire une simple partie, parce que c'est vrai que ça dure assez long, généralement, et puis voilà. Voilà, donc le rendu est plutôt pas mal, vous allez pouvoir le découvrir par vous même j'ai fait aussi un stream récemment dessus, donc enfin il y a 3 jours, ouais il y a 3 jours j'ai fait un live dessus. En plus vous avez été nombreux et nombreuses, c'était cool, c'était bien. Puis voilà. Alors donc on a accès à déjà pas mal de modes. Bon, de toute façon je pense que ça sera mis à jour, ça sera mis à jour avec le nouveau contenu qui débarquera par la suite, tout ça quoi. Faudra encore un peu attendre. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, l'écran il est un peu... Ouais c'est bon, je règle un truc à mon écran. Là on est ok. Ok, donc on va prendre Anatole, c'est égal. Alors nous on va se mettre en éclaireur parce que c'est vraiment une classe que j'ai bien aimé. Ah, on peut pas se mettre dans l'avion, non. Ok, bon on va capturer D. Voilà. Donc je vais juste vous montrer un petit coup le clavier en fait. C'est que il illumine, enfin mon clavier Logitech G910 illumine en fait. Et puis quand je suis mort il devient rouge, enfin c'est un truc dans le jeu qui a déjà qui s'intègre en fait, c'est un peu une espèce on va dire d'easter egg aussi, c'est sympa vraiment, c'est cool. En plus il y a les touches s'éclairent quand vous lancez le jeu, ça s'éclaire genre B, il y a écrit BF1, c'est vraiment très classe quoi, c'est très très classe quoi. Ok, donc objectif D, ben c'est ok, on est dans ok. J'aime bien cette map. Hi all. Ah on est sympa, on va écrire hi. Moi j'ai désactivé le chat pour ma part quand même parce que c'est beaucoup mieux je trouve. On va se mettre à 150. Ah non. Hop, oh, punaise, c'était un autre derrière quoi, sérieux. Bon, je dois avouer que bon je suis qu'au niveau 4 mais ah ben merci c'est cool. Bon actuellement honnêtement faut avouer que le jeu c'est pas qu'il est pas bien, c'est qu'il y a des trucs oh, j'en ai arrivé. Je trouve vraiment dommage sur certains points en fait, c'est à dire que ben par exemple vous avez par exemple les grenades à gaz et ça fait mais que de nous tuer sans arrêt et tout, et c'est vraiment emmerdant quoi, y a pas d'autre mot. Et puis ben ça m'embête, moi je trouve que c'est un peu abusé les grenades à gaz et tout. Nous avons perdu l'objectif Célestin. Actuellement c'est vrai que je sais pas, j'ai pas l'impression de jouer à... Enfin je dis pas que je joue pas à Battlefield mais c'est vrai que c'est un peu le foutoir. On réapparaît, on est souvent mort. Même si c'est chez nous, hein. Vous voyez, les grenades à gaz, c'est vraiment, mais complètement abusé, quoi. Il y a des choses qui sont... Ouais. Qui sont vraiment abusées, quoi. Ah ben, on va se mettre dans l'avion un petit coup, comme ça, vous pouvez découvrir la vue. Bon, je pense qu'il y a déjà... Ouais, ben, il y a déjà des gens qui nous ont tués, effectivement. Oh là là, c'est pas possible. Bref. Faut attendre. Je disais, donc, il y a certainement... Ah ben, on peut conduire, on y va.
Il y a certainement des gens qui ont déjà fait des vidéos dessus, bah, beaucoup de monde je dis. Après voilà, moi je fais cette partie en même temps pour faire une découverte du jeu, et si vous n'avez pas encore vu le jeu et que vous êtes intéressé, je vous donne un peu mon avis. Et je fais ce jeu également, cette vidéo également pour faire une partie pour le plaisir en conquête aussi. Ah, il faut pas abuser là, il est trop loin le gars. Oh là là, c'est vraiment difficile hein. Ah c'est, par contre ça c'est, je reproche, c'est inconduisible à la souris hein. Faut dire qu'il faudrait que je prenne les touches du clavier plutôt pour les avions quoi. J'avoue que c'est pas, c'est bien hein, c'est super bien hein. C'est la classe hein, quand t'es dedans, mais c'est très 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 difficile à conduire quoi. Vous voyez pas les armes en bas à droite parce que là j'ai mis la caméra à la place quoi. Je me suis dit que ça allait beaucoup être beaucoup plus beau si je me la cave. C'est cool de voir les réactions et tout, surtout sur un jeu comme Battle. C'est la Battle là, attention. Je vais venir le chercher au pistolet ce con. Montre-toi. Battle au pistolet. Oh là là. Ah bah c'est pas ma partie du jour hein les gars. C'est pas ma partie du jour. Donc du coup, je réapparais de nouveau à la même place. Bah je vais apparaître à l'objectif C en fait. Enfin, à la même place, quasiment à la même place, parce que c'est sur B en fait, le bordel. Le bordel. Ah, on est en train de capturer. Ah bah les gars, on en profite hein. On va les aider. Nous sommes en train de perdre l'objectif Célestin. En fait ils capturent Célestin, puis nous on est en train de... Oula, le bombardier là. Violent quoi. Non mais niveau graphiquement et tout, niveau gameplay, jouabilité, il est extraordinaire. Hein. C'est excellent quoi. Voilà. Des fois ça c'est aussi embêtant quoi. C'est vraiment même emmerdant. Ah c'est injouable des fois, je vous dis, c'est. Pour le moment c'est un peu abusé. J'espère qu'il y a des serveurs off et tout qui se mettent en place, parce que les grenades à gaz et tout, bon il n'y en a pas encore eu hein, j'en ai pas encore chopé une. Mais bon voilà, après c'est pas que je rage, mais c'est, ça m'énerve de jouer à un jeu comme Battlefield en sachant qu'il y a ça dedans quoi. C'est, ça m'énerve vraiment. Mais bon. J'ai pas visé au snipe. Nous avons pris l'objectif Anatole. Oh là là. Mais tu peux jamais sniper. Et là je suis, j'ai fait 0 kill encore. Ouais, disons que je débute quoi, disons que c'est mon premier Battlefield sur le PC, alors comprenez que c'est mais complètement hardcore quoi. C'est juste horrible.
Oh, y'a un mec qui essaie de nous tirer au snipe là, il est chaud. Nous avons perdu l'objectif célestin. Putain, y'a combien de grenades là? C'est lui là. Un dirigeable ennemi est en route. Ah, il est presque mort. 90 HP. Ah, 90 HP, non. Il y a une grenade. C'est bon. On est full live d'ailleurs. Ouais, il me semble. Elle était pas mal celle-là. Il loupe son tir, moi j'arrive sur le côté. Bye, ciao. En fait, c'est lui qui essaie de me tuer de pierre en fait. Mais comment ça se fait que je régène comme ça? Ah, c'est parce qu'il est... Non, je sais pas en fait. Là par contre, y'a rien. Je dis ça, je dis rien, mais... Nice. Non mais faut prendre l'habitude quoi. Moi si je perds ou je gagne, je m'en fous, je joue pour le plaisir quoi, mais c'est pour dire que ah voilà, je suis déjà mort. C'est pour dire que il y a des... C'est pas... Il y a des choses encore à régler quoi, mais... Il est bien le jeu, franchement il vaut la peine quand même. Après c'est pas le but que ça soit trop facile non plus et trop compliqué parce que sinon ça sert à rien quoi, limite hein. Ça sert à rien. Aïe. Mon dieu, mon doigt. Je me suis tapé. Ah là là. Bon. Caps lock. Pourquoi il met num lock? Je pense qu'il m'a foutu ce clavier encore. Ah. C'est juste qu'il y a le dirigeable. Les dirigeables, c'est juste génial quoi. Putain, j'ai eu peur, le gars il vient comme ça quoi. Ah mais ça m'énerve aussi. En fait j'espère pouvoir débloquer un snipe assez rapidement. C'est... Ah, c'est cool, merci. Bon, je lance ma grenade, on verra. Oh non, y'a rien eu. Ah, ennemi touché, 6, attention, j'ai fait du dégât. En fait, je vais trop à l'assaut avec le snipe, vous voyez. Et du coup, bah voilà. Bam! Un sniper corps à corps. En fait on est un peu dans la M parce qu'ils sont tous par là. Oh punaise. Eh hey, il m'a fait peur le gars. Wow. Eh hey, il est chaud lui hein. Le type là au rec, mais qui tue tout le monde, il arrive, papa papa. Oh là là. Ah y'a cette mitraillette là, elle est cool celle-là. Ah c'est le foutoir sur l'objectif B. Franchement. Mais est-ce qu'il est con? Ah. Thank you.
Oups. Fais gaffe mec. Le mec qui reste à côté de la grenade au calme. Allez, on les snipe. Y'a rien. Vous pariez combien que si je sors, ils sont tous là. Ça c'est sûr. C'est bien fait les trucs avec les tranchées et tout. Voilà, j'y vais au flingue, pas sinon voilà. Soldat 5. Ouais, génial, je t'annule. Allez, hasta la vista. Je vais bien remonter niveau classement quoi. Je vais aller voir si j'ai un moyen de faire quelque chose avec l'objectif C. Ça va être difficile mais... Il doit pas y avoir grand monde en plus. Ah mais cette map je l'ai jamais faite, je confondais avec une autre mais... Là je parle plus, je suis concentré. Écuré de Gérardi. Bon. J'espère qu'on arrive à faire quelque chose de l'objectif. Enfin, pour le moment ça va quoi. Ils ont mis une... C'est quoi, c'est une fumigène? On dirait. On dirait une fumée. Je suis tout seul hein, je dis ça, je dirais, hein, tranquillou hein. Allez, on lâche les mains, on joue. Bon, on va prendre le Célestin aussi maintenant en plus. Donc, quoi de mieux? Personne, c'est une blague. Je suis tout seul en train de capturer. Nous avons perdu l'objectif Berthe. Allez, capture-moi tout seul. C'était tellement ça, j'ai capturé le drapeau à moi tout seul. Et 500 quand même la capture de drapeau. Donc c'est pas mal. Disons que c'est pas mal. Merde, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû me concentrer quand j'aurais visé. Bah, je l'ai bien touché hein, en plus quand même. Je l'ai bien touché. Ouais, faut reprendre Berthe si on arrive. C'est chaud quoi. Ouais, on peut remonter. Ouais, nice. Allez, on y va. Tac.
Oh! Oh, c'est... Oh là là! Alors lui, il nous a eu, le gars. Oh là là. Oh là là, lui, il nous a bien eu, quoi. Chaud comme il nous a Nous bien avons eu. perdu l'objectif désiré. Eh ben, franchement, bien joué, quoi. Des gens sur Célestin? Non, je viens de le capturer. Échappe de grenade. En fait, c'est là-bas qu'il y a du monde. Non, sur A, on prend A. Là, je suis planqué, mec. Nous avons pris l'objectif Anatole. Putain, c'est chaud. Quoi, c'est voiture. Nous avons perdu l'objectif en chaîne. Oh là là. Il y en a une chier quand même, hein, des médics. Hein. C'est assez puissant comme classe encore en plus. C'est pas mal, quoi, disons. Nous avons pris l'objectif B. Non, on se fout en avion. On va le réparer. Regagner la zone de combat. Déjà je suis hors zone alors Nous avons perdu l'objectif Célestin. Comment ça se fait que j'ai ces armes là? What? Eh, c'est quoi ce changement d'arme? Je pense que c'est parce que j'ai été apparu hors de la zone et il a détecté que je sais pas. C'est étrange parce que pourtant je suis resté sniper hein, jusque maintenant. Oh, faudrait que je change mon snipe. Ah mais je peux. Ah oui, j'ai pas vu. Parce que là j'ai ça. Il y a l'infanterie et le Gewehr. Le Gewehr, je sais que ça c'est bien aussi encore. Je vais essayer de prendre le russe. Ah il est pas mal. On va voir ce qu'il vaut. Oh là là, mais toi mec, sérieux, il fait quoi lui? Mais il est bien comme snipe, je préfère celui-là que l'autre honnêtement. C'est dommage qu'on peut pas faire un test, enfin, au bout d'un moment on les a tous, donc après c'est vraiment là le verdict, enfin quel, comment, quoi jouer quoi. Bon, on se fout dans un char. Allez. Le mec. Bon.
rien, c'est pas pour être méchant, mais... Je suis un allié, bouffon. Allez, allez. Je cover là-bas. Nous avons pris l'objectif des... Putain, il m'a fait peur lui aussi. Nous avons pris l'objectif célestin. Grand classe éclaireur. Ah ouais. Hey mon gars, ça c'est de l'équipe. Allez, tous en même temps, on y va. Oh. Allez, il reste pas beaucoup pour gagner. Puis les parties durent quand même de 20 à 30 minutes, voire 40 des fois. Ouais, ça dépend en fait. Vraiment quoi. Je n'irai pas jusqu'à 40 quand même, mais... Voilà. Comme ça, ça vous aura donné un aspect du jeu. Déjà. De toute façon, il y en aura d'autres des vidéos. Hein. Surtout que pour moi, c'est beaucoup plus simple de stream niveau fiabilité, qualité... tout ça sur PC que sur One. Presque pas sur One, j'en fais quand même des vidéos quoi. J'ai hésité, j'ai testé la bêta sur One, j'ai vraiment bien aimé. Mais quand j'ai vu sur le PC Battlefield 1, j'ai changé d'avis. J'ai pas eu la 500. Je crois pas cette fois. C'est magnifique. Puis il y a des accessoires aussi ou pas, ça j'ai pas vu. Donc je jette un oeil. Que c'est beau. Allez. Assistance passager. Ouais, GG. Ah, puis les musiques. C'est les musiques surtout qui sont épiques. Alors, j'ai pas beaucoup testé encore le map. Ça doit faire peut-être la quatrième. Et franchement, c'est une de mes préférées, cette map. Elle est géniale. T'as une surface grande. Ouais, c'est magnifique. Elle est juste géniale comme map, quoi. Et ça... C'est intéressant quoi, quand t'as de l'espace, que tu peux bien faire tes trucs. Battle Pack bonus. J'en ai eu un? Non. Ça je sais pas, ça me fait penser à CS quoi. Genre un Counter-Strike. Continuer. Par contre ça m'énerve parce qu'on peut pas... Ouais, on peut pas revenir, on est obligé de relancer. Bref, sur ce, on va se laisser là-dessus les gens. Donc, merci d'avoir vu la vidéo. Et si vous avez des questions concernant le jeu, je sais pas, après je connais pas tout, hein, je le dis. Mais si vous avez des questions, ou alors, je sais pas, vous voulez me demander un avis, ou s'il faut encore attendre avant d'acheter, bah, des trucs comme ça, n'hésitez pas. Je répondrai au plus rapidement, bah, directement sur les commentaires de la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Salut tout le monde, c'était Zetox.